Les Asiatiques sont plus mignons. Really, nigga? Avant toute chose, on parle bien ici de mignon et non de beauté. Introduit par Conrad Lorenz, le mignon ou la mignonnerie est une forme associée à la jeunesse et l'apparence. Quand on dit que les Asiatiques ou n'importe quoi sont plus mignons, ça signifie donc qu'ils ont plus de traits liés à la jeunesse et l'apparence. La question est de savoir alors quels sont les traits qui déterminent ça. Et comme premier exemple, on va prendre Lupin. Même s'il est tout mignon, sa version en chiot est définitivement plus mignonne. Ouais, t'as changé, hein. On peut alors définir les différences physiques observables comme les traits de mignonnerie comme une taille physique plus réduite, un visage plat, des membres courts, un corps rond, une tête disproportionnellement large, une masse musculaire plus réduite, et ainsi de suite. Et ces traits qu'on vient d'observer fonctionnent également pour les humains. Même si un bébé humain est infiniment moins mignon qu'un bébé animal, il n'en reste plus mignon que sa version adulte. On peut alors déterminer d'autres caractéristiques comme une crête sourcilière moins marquée, un corps imberbe, un crâne plus large, etc. Tous ces traits de jeunesse s'amenuisent au fur et à mesure que le temps passe, mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. La disparition des traits de jeunesse dépend grandement de votre ethnicité. Et comme vous l'aurez compris en voyant le titre de la vidéo, on va parler des Asiatiques, mais pas n'importe lesquels. Parce que oui, des pays comme l'Arménie, la Turquie ou les Émirats Arabes le sont également puisqu'ils se trouvent sur le continent asiatique. Mais on va parler tout particulièrement de ceux de l'Est et du Sud-Est comme la Chine, le Japon, la Corée ou encore le Vietnam. En effet, au passage à l'âge adulte, ces ethnies ont parmi toutes une plus grande rétention de la disparition des traits de jeunesse qu'on appelle la néoténie. Alors pourquoi ces ethnies sont plus sujettes à la néoténie que les autres? 35 000 ans en arrière, chez ces Asiatiques, un gène mutant a commencé à se développer appelé le gène Eddard. Ce gène mutant contrôle le développement de notre peau, cheveux et dents. Par exemple, cette mutation font qu'on possède plus de glandes sébacées qui produisent une huile qui conserve notre peau jeune plus longtemps. C'est pour ça que durant notre adolescence, ce n'est pas la puberté qui nous frappe, ce sont nos parents. Chaque seconde écoulée, un Asiatique se fait battre par ses parents parce qu'il a seulement ramené un 19 sur 20 en mathématiques. Ce gène crée alors par exemple chez les mâles un aspect plus jeune mais également androgyne. Alors qu'est-ce que ça entraîne d'être plus mignon? Premièrement, une attention plus importante. Une étude a pris des visages de bébés et les a modifiés pour obtenir trois images. Une en augmentant les traits de jeunesse, une non modifiée et une en réduisant les traits de jeunesse. L'étude a montré chaque image à des personnes et en calculant le temps d'attention, le visage modifié avec des hauts traits de jeunesse a gardé l'attention plus longtemps que le reste. Les participants de l'étude ont trouvé ce visage plus amical, joyeux et sympathique. Des caractéristiques infantiles ont tendance à créer une réponse nourricière plus importante chez les adultes. Cette réaction a pour but de s'assurer que les parents prennent soin des enfants. Et non, la ceinture, la baguette de bambou ou le lancer de sandales n'est pas prendre soin des enfants. Faut vraiment que je fasse une thérapie, moi. Vous connaissez sûrement ces parents gâteaux qui n'arrêtent pas de vous dire que leur bébé est le plus mignon du monde. Pour s'assurer que vous allez en prendre soin, le cerveau fera voir aux parents que leur progéniture est bien plus mignon que la normale. Donc à tous les parents qui m'ont demandé si leur bébé était le plus mignon, j'ai dit oui, j'ai menti. Mais comment ça se passe dans le monde adulte? Une personne avec un visage néotène sera vue avec une sociabilité et féminité plus grande, tandis qu'un visage non néotène, plus intimidante. Selon une étude sur la sélection sexuelle et l'attirance physique, ceux qui retiennent plus des traits néotènes à l'âge adulte ont de plus grandes chances de reproduction. Ce n'est pas pour rien que la reine de Twitch, Pokémon, est la numéro 1 sur la plateforme. Je ne dis pas qu'elle est populaire uniquement grâce à son apparence mignonne, mais que son physique a sûrement joué une partie non négligeable dans l'équation de sa popularité. Au-delà de l'apparence, il y a aussi toute la culture du mignon, ou comme vous y attendez, du kawaii. Le Japon est indéniablement le pays qui a poussé ce mignon à son plus haut degré. La manière d'être, de parler, l'apparence, beaucoup de choses peuvent être mignonnes là-bas. Même les forces de défense japonaises en usent tellement c'est efficace. Et croire que le kawaii ne se limite qu'au Japon serait naïf. On a vu précédemment que plus quelque chose est mignon, mieux ça gardait l'attention des gens. C'est pourquoi on remarque aujourd'hui une tendance à avoir des dessins animés avec un look plus enfantin, plus mignon. Teen Titans qui devient Teen Titans Go, l'ancien Tom et Jerry et le nouveau, et le premier animé Pokémon contre l'actuel. Bon et bien, est-ce qu'être mignon c'est meilleur? Oui et non. Tout dépend de la situation. Si votre but est de créer des relations, vous aurez plus de chances grâce à l'attirance et à la sélection sexuelle. Mais dans une conversation, il sera plus difficile de vous prendre au sérieux. Franchement, Kim Jong-un, il a une tête marrant quand même. Et pour les animaux, c'est pas forcément une bonne chose qu'ils soient mignons. Combien d'animaux ont été abandonnés parce qu'ils ont grandi et ne sont plus autant mignons que lorsqu'ils étaient bébés? J'ai la flemme d'aller chercher des chiffres exacts, mais je suis quasiment sûr que la réponse est bien trop. Mais bon, pour finir cette vidéo sur une note positive, que vous soyez européen, africain, asiatique ou que vous ayez un visage néotène ou pas, c'est pas l'apparence ou comment les gens vous voient qui importe. Le plus important, c'est qu'au final, on finira tous par crever. Enchanté. Oh,